et nous a donné cette Torah. Béni sois-tu, éternel, qui nous donne la Torah. Voilà, ça c'est le Deutéronome 6. Écoute Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Béni soit à jamais le nom de son règne glorieux. Tu aimeras éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes facultés. Que les commandements que je te prescris aujourd'hui soient gravés dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras constamment dans ta maison ou en voyage, en te couchant et en te levant. Tu les liras en signe sur ta main et serviront de photo entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de la maison que tu démontras. Voilà. Dans les poteaux de la maison, c'est sûr, ici vous avez la mezouza. Donc pour les portes, on met ça. Et ça, on va offrir. Ça, c'est les 7 lois de Noé qui sont pour le monde entier. On se branche à l'éternel avec les 7 lois, ceux qui veulent. J'en ai encore quelques-uns en français. C'est la première alliance, les premiers commandements pour l'humanité entière avant de demander des paroles à Moïse. Ça, c'est encore tous les non-juifs. Voilà, le moment là, c'est souvenir en anglais, si vous voulez en anglais. En anglais, c'est bien. Alors, je vais vous raconter aussi, c'est en anglais. Alors, si vous voulez, on va vous raconter une histoire intéressante sur le roi David, quand il a exécuté Goliath.